J'ai le droit de donner mon avis. T'as rien à te reprocher sur ça. Oui, mais sans bégayer. J'avance lentement devant elle. J'ai en plus de ça une couronne berlée. Si, attends, il y a l'autre de titre sort des boules là, elle tire le rigot. Ouais. Donc, nique ta mère. Mais c'est ça, excuse-moi. Mais... D'accord, ok. Tu vois, là, tu me prouves vraiment, là, tu m'as prouvé vraiment que vous insultez tout ce qui bouge. C'est un arabe, non, ouais, nique ta mère, voilà. Mais pourquoi ça? Bah, ils sont arabes, non, ça vient de ta religion. Ah, t'es arabe, après, ça serait bon. Oh, il t'aime ta gueule, on s'en bat les couilles, au pire, ouais, je veux pas, tu fais ta dépression. Oh non. Dans ces moments. C'est Axel. C'est Axel. Moi, il m'a tué. Voilà, je te jure. Oui. Je souhaiterais intervenir contre les détracteurs, ceux qui sont là. Écoute-moi, je pourrais être ton père, connard. Arrête de lui manquer de respect, c'est un arabe. Voilà, t'es mieux, toi. Voilà, je suis. Attends. Non, mais vous y prenez à la mauvaise personne. Il a rien fait, il est arabe, il est fier de l'être. Au contraire, si je dis raciste. Non, mais je suis là. Attends. Et attends, Biko, je suis là pour défendre. Oui, je sais, je suis là pour défendre parce que les Français. Ils sont là à t'insulter. Ils sont là à t'insulter, t'en fais pas, je suis là pour défendre. Parce que je te jure, même toi, genre, c'est rare où tu feras quelque chose que tu vas genre parler avec des gens. Mais c'est qu'il m'écoute pas en plus, l'arabe là. Arabe! Je pense que toi. Je suis blond! Mais non, mais blond dans le jeu! Tu s'en bats les couilles. Voilà! Bon, nous sommes là pour vous proposer un petit florilège. Nous sommes la troupe de Fanny de Limoges. Ouais. Nous allons. Attention, je demande au piano de me se mettre. Ouais, ça m'a tué. De s'accorder. Non scope. Il a des piles DMG, le mec. Beaucoup de jours que j'ai déjà muté ici. Qu'est-ce que c'est dommage. Ce gros replacement d'Abdel. Oh, ce gros replacement. Il faut faire attention, il y a des détracteurs qui viennent d'arriver. La jeune demoiselle, est-ce que je pourrais avoir les droits à la modération? Comme ça, je pourrais gérer ces détracteurs. Oh, tu es insupportable, toi. Comment ça, tu parles? Je pourrais être ton père, ne me prends pas de haut, s'il te plaît. Parce que tu n'es ni plein ni moins qu'une connasse. C'est vrai que c'est pas très plaisant. C'est pas très sympa de dire ça. Ouais, non, je me suis un peu emballé. Je voulais pas dire ça, je voulais dire grognasse. Ah non, c'est pas ça. Je voulais dire, c'est une poche à gnôle. Non, c'est pas ça. C'est une poche à viol. Non, c'est pas ça. Non, excusez-moi. J'ai tendance à m'emballer. Mademoiselle, je tiens à présenter mes excuses. Je voulais telle une petite scène de Bukaki, je voulais présenter. Wesh, mon gars, t'es gênant. Ah, voilà, c'est un farceur. Non, parce que cette demoiselle, et ça se trouve, dans une autre vie, j'aurais pu lui plaire, parce que je suis quelqu'un de très charmant. Non, je pense pas. Gênant. Oh, et cet accent un petit peu semi-cagole, ça me plaît bien, ça m'excite. Oh, semi-cagole, trompette que tu es, parle bien. C'est bon, je te manque pas de respect. Tu me manques de respect, tu me dis cagole. Cagole, c'est pas péjoratif, c'est ce qu'on dit souvent sur les femmes du sud de la France. Non. Et si on peut plus animer maintenant les Discord pour faire ça à mode radio, attention, t'es un petit peu trop susceptible. Je te sens un petit peu sur la défense. Absolument. Est-ce que tu voudrais peut-être, tu veux de la sativa? De quoi? Wesh, les gens. C'est pas de la marchandise. Qui c'est l'admin principal? Il faut absolument de la modération. Nous sommes débordés là. Je me présente. Je m'appelle Albert Bichot. Quand il s'agit de déconner, je réponds présent mon agent. J'étais en embrouille avec une demoiselle, mais j'ai l'impression qu'elle a l'air de s'écraser, donc j'ai gagné. Mais comment ça, je m'écrase de Chipada? Comment ça? Et si je peux prendre un accent insulé, qu'est-ce qui te crée? Ah, qu'est-ce dingue. Qu'il y a? Tu m'en boucles? Oh, la colère. Arrête d'être comme ça, c'est con quoi. Arrête. Prends pas de haut, je te l'ai dit. Oh, à un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est pas, tu me prends de haut comme ça. Je te prends pas de haut. Oh, lâche-moi maintenant. Je suis pour l'OM, on n'a plus que le Marseille. Toi, tu restes sur le terrain ou alors tu restes en CFA? Oh, alors arrête de me pourquoi parler. Pourquoi tu parles mal comme ça? Je pense que tu es trop vieux pour parler mal comme ça. Non, je manque pas de respect à ma femme, je la traite bien. Alors arrête. Ah, je pense pas à la pauvre, je la plains. Alors tu tires ou tu pointes les titans, comme tu dis. Mais tu es fada. Comment c'est fada? Je suis du sud. J'habite à Perpignan. Mais alors pas arrête. Du tout, en fait. Je t'ai entendu parler tout à l'heure et tu n'avais pas la à Marseille. Ok, attends, c'est pas grave. Je vais prendre ma vraie voix. Allez, prends. Je voulais savoir, enchanté de te connaître. Désolé, nous avons pris un mauvais départ. Ah bah tu vois, on peut trouver un terrain d'entente, ça va? Mais oui, quand tu trolles pas comme ça, ça va. Ouais, je sais. Ça va mieux. J'étais un petit peu, je sais pas, dans mes pensées. Il se trouve qu'à certains moments dans la nuit, bonsoir. C'est peut-être la chaleur. Salut, ça va? En priorité, je fais des buquets.
J'aimerais apprendre à te connaître en profondeur. J'ai une chaîne YouTube, je réalise souvent des vidéos, je fais de la voix off aussi dans le privé. Si tu veux, on pourrait se rencontrer, je me déplace régulièrement sur Marseille. Mais je suis pas de Marseille, je suis de Lille. Ah d'accord, très bien. Lille, il m'arrive d'avoir des tournages réguliers là-bas. Ah ouais? Ouais, j'ai un ami qui habite la ville de Croix. Tu pourrais venir, c'est une ville de Bourges en plus. Faudrait te mettre bien. Non, ça va, merci, je vais m'en passer. Je pourrais changer ton quotidien, je sais que t'es vendeuse à Eram, tu vas des chaussures. Non, c'est bon, très bien. D'accord. J'aurais bien fait mon petit 4 heures celle-là. Dommage. Mais tu es pas là. Non, je suis honnête, t'as une voix qui me plaît, je regarde ton avatar, t'es une fille qui a une certaine sensibilité et un certain caractère, donc ça me plaît. T'as l'air d'avoir des cheveux très soyeux. T'as fait une teinture ou c'est naturel? On t'y a fini maintenant? Ouais, attends deux secondes, je vais prendre ma vraie voix. Je te dis, arrête de faire la michto, je te le dis, parce que là, dès que j'ai pris ma vraie voix, t'as commencé à me chauffer. Donc, okay. Fada, oh. Comment ça, Fada? Je te parle normal. C'est qui Bounty? Ouais, c'est qui Bounty là? Il y a les Bounty là. Ça va. Il y avait les Bounty là. Donne-moi les Bounty. Comment tu vas? Mais quoi, là? Toi, tu laisses pas la chance à des noirs comme moi là qui veulent les papiers pour arriver en France? T'arrives pas, hein? C'est-à-dire que le gouvernement ivoirien a dérogé à la règle. On a tenté de bouleverser les choses. C'est-à-dire qu'on leur pousse leur commenter le coup d'État contre le colonel Bokassa n'a pas fonctionné. Je t'ai dit, j'ai cherché la voiture. Mais c'est mon. S'il te plaît, Albert, t'es pas drôle, sincèrement, il faut te le dire. Arrête tes blagues à deux balles. Mais t'en fais pas, je vais la gérer là. Je vais lui parler, j'envoie le message en privé, tu vas voir là. Toi, tu es quoi? T'as tes friendzone ou quoi là? Ferme ton gueule. Le gars, il parle là, il a rien fait avec la femme, il a pris les photos, mais prends les photos, touche les photos. Va aller toucher la femme là, arrête. Albert, tu sais que c'est un manque de respect de prendre l'accent congolais. J'ai le droit de donner mon avis. T'as rien à te reprocher sur ça. Oui, mais sans bégayer, s'il te plaît. Mister, t'as été friendzone. Laisse la chance à Albert Bichot. Faut dire que je suis pas friendzone, je m'en bats les couilles. Alors ferme ton gueule. J'ai fait la chanson. Ça, tu sais. Je vais te conquérir. Bon, je te laisse. Bon courage. Je vais aller me garder. Tout la cyprine pour les papiers. Ça va coller les passeports. Yes, papa, j'ai des jambes pour les mettre dans ton nombril. J'adore les nombrils des femmes. Naïf, alors, ça t'a plu, Sav, là? J'étais charmé ou quoi, là? Comment ça? T'as dit quoi, là? J'ai pas entendu. Il y a bien les choses que j'ai fait. C'est niqué les mains. Va vous calmer, ça, écoute-moi, je suis là pour toi. Il va te faire goûter sa sève. Elle a trop transpiré depuis le début de ce clash. Je la sens d'ici, n'hésitez. Ça ruisselle, ça ruisselle sur les aisselles. Une femme du sud sans l'olive. Fils de pute, on ne les tolère pas ici. SAV pour les intimes. Derrière le Coran, tu m'as touché. Elle a voulu Bla. Moi. Et ton gros Bounty. Je veux le Bounty, tu le sais. Place. Je sens qu'elle est impressionnée. Elle ne dit rien, elle est bouche bée. Bouche bée devant ce gros Bounty qui s'adresse devant ses yeux. J'avance lentement devant elle.
ne sais plus quoi dire. Rentre-moi dans le lard et savez, même si tu es toute plate. Je connais qui vont jouer aux boules à la pétanque avec un verre de pastaka. C'est pas parce que tu as des tétons que tu as des seins et ça. Tiens ton rire, contrôle-toi, je suis en train d'arriver. La cyprinée sur mon tapis. Tu vas pouvoir remplir des verres de mouille de gland. Quand elle s'esclave comme ça, il y a beaucoup de mouille. Je presse mon tapis, je l'enroule et je bois tout ça. Mais comment? Je ne comprends pas, elle accepte. Je pisse sur son nombril, ça fait le lac Morlan. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît. Bah alors Sam, qu'est-ce que t'as à dire? Mais pas de rime, hein, c'était nul. Wow. Arrête, c'était grave bien. C'était drôle. On parlait, non, enfin soit qui te vise la viseur, c'était bien. Aïe. Tu vois, on l'a charmé. Il faut qu'il y ait des rimes pour que ce soit bien maintenant. Je t'ai dit, il y avait pas de rime. Non mais pas besoin d'avoir de rime pour que ce soit bien en fait. Par contre, ah ouais, il y a pas besoin de rime, wesh. Pour le piano, c'était parfait. Merci beaucoup comme d'habitude. Au plaisir. Maintenant la question que tout le monde se pose maintenant, il savait, t'as quel âge? J'ai 29. Que Dieu soit béni. Non parce que je la pose souvent. Ouais, j'ai affaire à des 14-15 ans. C'est bon, on la garde, juste à part l'accent de merde, mais c'est bon, on peut la garder, les gars. Mais pardon. Tout ça parce que c'est une lilloise pure souche. Mais quelle indignité. Super accent lillois, ouais. J'ai un peu essoufflé. Oula, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ouais, je viens de monter les deux étages, là, je suis KO. C'est qui a fait de la musique? C'était un duo, c'est nos pianistes. On a charmé une demoiselle, ouais. Je pense que Saku est sous le charme et Savé, elle est sur le point, là. Alors là Moi, je pousse un peu les vocalises. Si je vais me glisser gentiment, cher téléspectateur, dans CDM. On va voir ce que ça, où ça va me mener. Ah, c'est une femme tout à fait ouverte. Bah, Saku, on va direct rentrer dans les DM un petit peu. Là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Non. Starfoon Ares, Nick et Mouk Lachette. Ça, je connais aussi. De l'arabe dans le texte, tu vas pas me la mettre. Starfoulida la merguez. Couscous, chèvre et miel. Je connais, t'inquiète pas. Y'en a qui poussent un peu les vocalises ici ou pas? Parce ouais, que... Un petit peu de temps en temps pour charmer quelques dames. Parce que moi je pousse un peu les vocalises si jamais il y a quelqu'un qui a. Ah oui, vas-y, fais une petite démonstration. Bah, il me faut une instru, genre du violon, du piano, un truc comme ça. Ah, bah, du piano on en a, hein. Après nocturne. Aujourd'hui je vais. Rétablir la vérité. Kobalagué. Les gens pensent que je suis gay. Mais ce ne l'est pas vrai. Il m'arrive d'être bicurieux. Ah ouais, tu l'assumes. Ça a commencé au collège. Dans les toilettes de l'EPS. Mathieu, 4e C. Je m'en rappellerai comme si c'était hier. Mon regard a croisé le sien. Sa main a effleuré la mienne. À partir de ce moment-là, je savais que c'était lui. Overgay. J'ai découpé. J'ai posé mes lèvres sur les siennes. Mais ce n'est pas gay, c'était juste de la bienveillance. Je voulais qu'il réchauffe mon cœur. Mais pas ton cul. Mais pas mon cul. C'était juste un baiser, tendrement. Ses ongles étaient bien beaux et taillés.
Il avait du gel, mais pas trop. Il ressemblait à un PNL. Je voulais ce boucle d'oreille. C'est vrai qu'il m'arrive de fantasmer sur Ademo. Des fois, je regarde les clips et j'ai envie de m'approcher plus près de ce pectin. J'ai envie de toucher ses petits tétons frétillants. Frétillant, frétillant. Entourer son oreille avec ma langue. Pour lui, j'ouvrirai bien mon cul. Au fond de moi, j'aime les hommes, mais comment l'avouer à mes proches? Le jugement. Je sais pas quoi vous dire. J'aime lécher des anus. Tu dis normal, normalement ça passe à fond. J'ai en plus de ça une couronne perlée. J'ai du relief sur le sgueil. L'anus tout luisant, brillant. Pose ta langue sur mon gland, tu peux sentir du 3D. Des courbes de est-ce niveau. Qu'on peut dire que ta bite elle est en braille? Sur ma queue y a écrit je t'aime. Comme quoi l'amour est aveugle. Projet topographie sur sa verge. Je te tends la main Albert, rejoins-moi. J'aimerais tant te rejoindre. Je ne suis pas moi aussi. J'imagine ta beauté à travers mon 144 Hz. J'aimerais pouvoir te toucher. Tout ce que t'auras, c'est mon pubis. Le poil de mon pubis. Je récupérerai un poil de tes couilles. Je ferai du vaudou. Je forcerai à tomber amoureux de moi. Il te violera dans une cave. Comme une condition. À condition que tu me fasses du cobalaguer. Pour toi, tu sais très bien que je ferai tout. Tu n'as qu'à me le demander. Alors fais-le. Lâche tout s'il te plaît. Je me rappelle, je n'avais rien. Traîner tous les jours dans le bas de scène. J'enchaînais joint sur joint. Et quand j'étais chaud, j'allais voler. Je me rappelle, j'avais pas un sou pour m'acheter un paquet de bonbons. Nique ta mère, toi et ton serveur. Alors que j'aime, je vais glisser. C'est pas ta faute si t'aimes juste sucer des grosses queues. C'est juste de l'amour. C'est juste de l'amour. De les l'amour. Vrais hommes baissent des vrais hommes. Oh non, oh non, oh non. Bonjour dans la Grèce antique. On sent que la vague nous trique. Je suis plus passif qu'agressif. Actif. Je me déboule. Dans la douche. La douche. Je me mets le pommeau dans le cul. J'adore quand l'eau remonte au fond de mon anus. Au fond de ton anus. Au fond de ton anus. Je vois la lumière au fond de ton anus. C'est l'éléphare de mon Range Rover garé dedans. M'assois sur le trône. Et faire caca, c'est comme se faire sodomiser, mais à l'envers. Je me fais enculer dans le bad set. Tous mes copains me prennent pour un rappeur. Mais moi, je veux juste super Deck Max 44.